est un lieu de prédilection pour le sport automobile et il nous accueille à nouveau ce week-end. Préparez-vous pour une bonne dose de vitesse avec le Grand Prix du Japon. C'est Ferrari qui est en tête du classement des constructeurs actuellement. Mais à l'approche de la quatrième manche, beaucoup d'écuries vont vouloir changer ça. Que va-t-il se passer ce week-end? Seul le temps nous le dira. Salut à toutes et à tous, on est là pour du F1 Manager 24. On va partir pour les essais numéro 1 au Japon à Suzuka. Et de ce pas, j'ai la session. Hop. On fait sortir les saccageurs. Le but, on rappelle, est de prendre connaissance du circuit, enfin de faire les réglages et tout. Un tour de sortie et on va voir le circuit avec Zakaja. On rappelle que nous avons apporté des nouvelles améliorations sur la voiture étant donné que c'est l'aileron avant et l'aileron arrière. Le châssis est en cours de fabrication car on n'en a plus. Et on va lancer la voiture pour un tour lancé. Pour ça, on a personne qui sort. Voilà. On a vu un tour du circuit de Suzuka. C'est bien, personne qui nous gêne, personne n'est sorti des stands, donc personne ne nous gêne. On peut faire un tour rapide, tranquille. Après, bien sûr, il fera le meilleur temps, je pense. Quoique, à la fois, Flore, je faisais essais, je crois, numéro 2 donc, à Melbourne. Surprenant, quand même. Parce qu'elle finit en tête. Hein. La McLaren sort et une 33-466 pour Zakaja. Et une 33-000 pour Florsch, Sofia Florsch, ce qui est pas mal. Trajet sur la pala pour Chambers, sur la S. Ah, ça passe trop large, il est sorti de la trajectoire. Ouh, le plancher de la voiture a dû le sentir passer là. Ouais, mais ça va encore.
Hop. Là, on va faire entrer la voiture étant donné qu'il y a les infos. Ah, il y a une Aston Martin qui rentre derrière nous. Ah non, c'était une Mercedes. Reconfigurer. Ouf! Il y a du taf. Pas tant que ça peut-être. Hop. On va faire un petit bilan. Donc Patowers est premier avec 1 minute 30, suivi de Robert Schwarzman, suivi de Fernando Alonso et de Lance Stroll. Sergio Perez dans la Red Bull est 5e, 6e c'est George Russell avec la Mercedes. Olivier Nguyen dans la 2e Red Bull est 7e, Lewis Hamilton 8e, Esteban Ocon sur la première Alpine est 9e, 10e Oscar Piastri avec la McLaren. Sauf la Forge est actuellement en 11e position, Olivier Berman dans la Ferrari et 12e, Kim Magnussen 13, Isaac Hadjar 14e, Yuki Tsunoda est 15e, 16e, Valtteri Bottas, Chloe Chambers est 17e, 18e, Théo Pourchaire, Ayun Iwasa est actuellement 19e, Pierre Gasly 20e, Alexandre Bonne et Logan St. John, les deux Williams sont actuellement 21e et 22e. Et on a eu l'info comme quoi elle avait toutes les infos requises. Donc, nous allons pouvoir la faire rentrer au stand. Nous voyons ici la petite Sauber qui rentre. Et la Aston Martin qui sort. Et nous voyons en fond notre pilote qui arrive petit à petit. Alors, voilà, comme ça, bon, plus qu'à attendre que ça se reconfigure. Et la voiture de sa cage est faite, on lance la voiture. Est-ce qu'il y a du monde sur... Non, il n'y a personne. Il va pouvoir y aller. Voilà. On va faire sortir Florsch qui est juste là. Attends, on va le mettre en autre. C'est parti. Ça va chauffer petit à petit. Et puis avec son froid, mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller.
Ça, c'est pas cool par contre. Ok. Alors. Pas fait les réglages. Est-ce que je peux déjà régler la voiture? Ah ouais, d'accord. Quitte à ce que ça soit éclaté, autant y aller à fond. Hop. Donc on va faire un petit tour du classement. Donc Pato Rossi est actuellement premier, suivi de Robert Schwarzman avec la Ferrari. Nous avons après Olivier Guette qui est sur la Red Bull, Fernando Alonso sur la Aston Martin 4ème, Ross Iwa est actuellement 5ème avec la Racing Bull. George Russell avec la Mercedes est 6ème, 7ème Sergio Perez, 9ème Lance Stroll, 9ème Oscar Piastri, 10ème Lewis Hamilton, Kevin Magnussen est 11ème, 12ème Olivier Berman avec la Ferrari, 13ème Yuki Tsunoda, 14ème Esteban Ocon, 15ème Sofia Florch, 16ème Pierre Gasly, 17ème Valtteri Bottas, 18ème Isaac Hadjar, 19ème Théo Pourchaire, 20ème Alexander Albon, 21ème Chloe Chambers et 22ème Logan Sargeant. Et nous allons élancer sauf la flush. Ouh, quel effet pour les dernières minutes de course qui restent. Voilà, c'est Isaac Hadjar aussi. Et là, on va leur faire claquer un temps avec les softs. Ils devraient peut-être un petit peu plus vite. Et on va se mettre avec. On avait embarqué. Une flush.
Allez, c'est parti, on la lance. Voilà, c'est aussi Hadjar. Ça a fait l'améliore son temps et Hadjar aussi. On va voir à la fin du secteur 2. Elle améliore aussi. Bon, après en soft déjà. Et c'est à la place en 7ème position pour Florch. Zakajar va arriver. Oh, il y a du monde. Et Zakajar n'aura pas amélioré la fin de son secteur, mais il fera quand même le 6ème temps. Allez. Et voilà. Donc nous avons les deux McLaren en tête pour les essais numéro 1 avec Oscar Piastri et Pato Ward. La première Ferrari, celle de Robert Schwarzman, est 3ème. Suivi de la Red Bull de Olivier Guet. Fernando Alonso est 5ème. 6ème, Sergio Perez. 7ème, sauf la Froche. Ayu Iwasa sur la Racing Bull était actuellement 8ème. 9ème, c'était George Russell. 10ème, Lance Stroll. 11ème, Esteban Ocon. 12e Lewis Hamilton, 13e Kevin Magnussen, 14e Olivier Biermann, 15e Alexander Albon, 16e Sir Logan Sargeant, Yuki Tsunoda était actuellement 17e, 18e c'était Isaac Hadjar, Pierre Gasly 19e, les deux Sauber 20e et 21e de Théo Valtteri Bottas, Théo Pourchaire, je vais y arriver, et Chloé Chambers est 22e. En tout cas, on va s'arrêter là pour les essais numéro 1. On se retrouve pour les essais numéro 2. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Salut !